En fait, Paris, ça devient invivable. C'est trop invivable. Des 800 mètres, 12 minutes, 14 minutes. Des wesh. Des 4 km, 1h02. Wesh. J'aimerais bien savoir c'est dû à quoi. Si c'est les travaux, si c'est un mec qui sait pas passer la première au fond là-bas. J'aimerais bien savoir, tu vois, la cause. Franchement, ça fait très longtemps, j'avais pas vu autant de gens se mentir à soi-même. Là, pour eux, tout va bien. Mais tout va mal, les gars. Mais tout va mal. Le prix de la bouffe, il a fait x2, wesh. Le prix de l'électricité, je t'en parle même pas. Prix du chauffage, ils te l'ont bloqué à 19 degrés, je t'en parle même pas aussi. Le prix du carburant aussi. Mais en fait, tout le monde se fait plumer et personne ne dit rien. J'ai jamais vu autant de gens, hein, faire des métiers qu'ils n'ont pas choisis, déjà. Même s'ils font le métier qu'ils ont choisi, ils font pas ces tâches du métier. Il faut toujours qu'ils fassent des trucs en plus pour un salaire plus pété. Wesh. Mais là, tout le monde se ment. En fait, tout le monde se ment à soi-même, là. Raconter le nombre de personnes qui ont fait des études et qui font des métiers qui n'ont rien à voir avec leurs études. Il y en a une tonne, les gars. J'ai vu des mecs, ils avaient des Master 2, ils sont en restauration. Je dénigre pas la restauration, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec leurs études. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Des mecs, ils étaient dans le marketing, ils ont fini en mécanique. Wesh. J'ai vu des mecs, ils avaient des spécialités stratégie, ils se sont retrouvés en logistique, livraison, etc. Wesh. Pour tout le monde va bien là. Genre pour... Eh hey, les gars, voilà. Ils ont réussi à faire douter des gens qui ont fait des études.